cette journée de réflexion consiste à travailler sur le cahier de charges, qui est le cahier de doléances dont le comité de terre le valide. Cet événement, ça fait plus de 4 ans que ce n'est pas organisé. Donc c'est après le congrès que le comité de terre a organisé, qui est chargé de valider, d'élaborer le cahier de charges et le plan d'action du bureau de coordination nationale. Ça a été une journée de séance de travail avec l'ensemble des secrétaires généraux des différentes régions, avec l'ensemble des secrétaires généraux des différents établissements du Mali et avec les secrétaires généraux des différentes facultés et institutions de grandes écoles. C'est eux qui ont passé toute la journée d'élaborer le cahier de charges en fonction de leurs problèmes dont leurs facultés sont confrontées, leurs universités sont confrontées. Et à partir de cet instant, donc nous allons faire, l'AM va faire face maintenant aux problèmes dont l'école m'a rencontré. Les problèmes sont énormes. D'abord, la licence, la question de la licence. Quelques années maintenant, le Mali a adopté un nouveau système, qui est le système LMD, licence master doctorat. Et actuellement, après la licence, ces diplômes ne sont pas appliqués après le concours national. Tel que l'INA et la fonction publique, c'est un point que je doute que nous tient à cœur pour pouvoir revendiquer le secteur. Il y a l'effectif pléthorique de la FSEC. Chaque année, la FSEC reçoit plus d'une vingtaine d'étudiants nouveaux bacheliers. Vous voyez l'amphithéâtre de la FSEC, il n'y a qu'un seul grand amphi qui est l'amphi 500, deux amphis de 200, une amphi, un amphi, amphi 1000. Donc, et les étudiants qui sont à la FSEC n'ont pas de place pour étudier.